Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va sûrement super bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui, ça va être. Je vous montrerai à vous tous comment bien débuter Minecraft et prendre un grand aventure survie. Donc, ça va pas durer très longtemps, ça va durer au moins 6 minutes, voilà. 5 minutes, je sais pas trop. Je ferai beaucoup d'ellipses. En tout cas, c'est parti. Donc, pour ça. On va créer un nouveau monde, donc on va sur Minecraft, on va en solo, on va créer un monde. Là, on efface le nom du monde et vous choisissez le nom du monde. Désolé, ici on a mon bras. Donc voilà. Donc je marque YouTube. Voilà, YouTube. Survie, plus d'options. Donc les commandes de triche, on met non. Village, on va mettre oui. Par défaut, comme bonus, non. Comme bonus, ça veut dire des fois on peut trouver des pioches, du bois, du pain et tout ça. Donc là, je remets YouTube, on sait jamais. Mais normalement, vous n'avez pas besoin. Donc désolé si on va mon bras, mais après, ne vous appelez pas. On va plus le voir normalement. Voilà, donc Z c'est pour avancer, S c'est pour reculer, E c'est pour aller dans l'inventaire, je vous montre des petites. La souris, ce clic, si je ne me trompe pas, c'est pour poser, et clic 3 c'est pour casser, si je ne me trompe pas. On verra bien. Et on se creusera juste après, dès que ça, le monde a chargé. Donc, normalement, on se trouve ici. Donc, voilà, ça a cramé. C'est donc, vous bougez, et à la fin, ça va TP. Et on se retrouve juste après, dès que je suis sur le village. Et j'ai TP jusqu'ici. Donc, on va commencer avec la première étape, la plus facile du but Minecraft. Ok, donc je me suis trompée. Ce clic ici, c'est pour casser, ici pour poser. Voilà. C'est que ça fait un bon moment que j'ai pas trop joué à Minecraft. Ouais. Surtout en souris. Donc là, on va casser du bois pour commencer. Donc je vous propose qu'on fasse une cabane dans les arbres. Ce serait plutôt bien. Bon, normalement on peut creuser ou tout simplement faire autre chose. Parce que voilà. Donc on va faire un jump, je vous propose. Donc, ah oui, pour sauter au fait, c'est la grande touche. Que là, oui, la grande touche, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Et là, ça va. Voilà. Désolé. C'était mon père. Donc voilà, on va faire un jump. Un gentil jump, je vous propose. Pas trop méchant. Voilà. Bon, moi, ça va encore. Je me débrouille un peu un jump. Bon, j'arrive pas trop souvent parce qu'en fait ça bug de ouf. Pourquoi pas faire ici, on est sûr qu'il n'y aura pas de mob. Et on fera assez grand. Bon, on va faire la table de craft. Donc vous faites E. Là il y a 4 cases. Vous allez mettre votre bois dans une des 4 cases. Et après vous récupérez les planches de chêne noir. Vous cliquez. Voilà, et vous les posez dans la barre qu'il y a ici. Donc, au fait, j'ai oublié de vous le dire. Mais là, vous allez voir des cœurs, si je peux dire ça comme ça, et des sortes de petits poulets. Donc, les cœurs, c'est les vies, et les poulets, c'est la nourriture. Donc, dès que votre barre est grise de poulet, vous allez perdre des cœurs. Et à la fin, si vous ne mangez pas, ça va rester jusqu'à un demi-cœur.
La vie, elle se perd facilement ben, quand un mob nous tape, nous touche. Et voilà. Ou alors, on peut mourir si on se jette de trop. Ou d'autres choses. Donc, j'espère que ça vous aura plu pour la première vidéo. Donc, je vous ai dit, elle va être hyper courte. Mais là, après, j'aurai plus d'espace de stockage. Donc, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Et ciao!